Alors, bonjour tout le monde, Marie Calomé pour la magie des étampes.com. Je vous propose un superbe projet aujourd'hui qui va être réalisé avec la Insta Enveloppe qui nous permet de faire vraiment plusieurs grandeurs d'enveloppes, mais non seulement d'enveloppes, de boîtes aussi et de d'autres projets. Aujourd'hui, ce que j'ai décidé de vous montrer, c'est une jolie boîte. Regardez si c'est beau. Et ça met en vedette des produits Célébration, donc vous pouvez obtenir gratuitement. Donc, soit le beau papier design dont on va se servir, ou les jeux d'étampes aussi, comme celui-là, c'est notre jeu vedette aujourd'hui. Vous pouvez l'avoir gratuitement pour chaque tranche d'achat de 60$. Vous avez une prime dans la brochure Célébration. Manquez pas votre coup, c'est jusqu'au 31 mars. Donc ici, la belle petite boîte, elle est petite. Elle peut accueillir 4 cartes 3x3 et 4 enveloppes, les enveloppes toutes faites de Stampin' Up ou des enveloppes qu'on va faire à la main avec doublure, imaginez-vous. Alors, elle est très, très mignonne. En fait, on vient poser un ruban qui s'en vient par en haut ici pour faire changement, pour aller fermer. Elle se ferme par en arrière, tout simplement. C'était pour faire changement parce qu'habituellement, je les ferme avec une petite bande qui se glisse tout le tour et qui est décoré. Donc, vous pourriez aussi faire ça. Vous oubliez le ruban ici, là, et vous faites simplement une bande. J'essaie de vous en trouver une. Disons qu'elle est plus grande, là. Vous pourriez plus large. Vous pourriez fermer la bande, donc elle s'enlève. Ça pourrait être une autre option. Et ça met en vedette la très belle découpe de fleurs ici, Big Shot. Et j'en ai utilisé deux. Ici, je vais tout vous décrire ça, là, la petite, le Sizzlitz Little Leaves, ou fleur d'olivier, je crois que c'est comment c'est traduit. Alors, on y va, sans plus tarder. Est-ce que je vous montre tout de suite les cartes que j'ai faites? Bien sûr. Donc, j'ai fait des enveloppes avec l'Insta Enveloppe, et j'ai fait une doublure aussi, je vais vous montrer comment, pour aller accompagner ces cartes-là qui sont toutes mignonnes. Elles sont toutes pareilles, j'ai simplement varié le papier design utilisé. C'est facile à faire, c'est un petit cadeau si vous êtes invité à souper quelque part. Ça accompagne très bien le mou de pomme ou la bouteille de vin si vous êtes habitué d'en apporter. Ou une belle chandelle, peu importe ce que vous avez sous la main. Moi, je trouve ça très intéressant parce que je dirais que en 20 minutes, moi, j'aurais pas de problème à faire ça, mais disons 30 minutes, j'évalue jamais assez, je mets jamais assez de temps, mais elles sont très simples, donc vous découpez tout d'avance vos passes de cartes, vos contours, vous étampez d'avance, et ce qui est le fun dans ce jeu-là, j'en reviens pas, qui, dans le fond, vous pourriez faire 4 cartes, j'en ai fait 3 ici, mais prendre vraiment chacun des vœux, donc un vœu d'anniversaire, un vœu tu me manques, c'est vraiment des vœux qui sont le fun, puis ils sont présentés d'une façon originale qu'on voit pas très souvent. Alors, sans plus tarder, je vous mentionne une chose ici. Je voulais pas mettre, ça rentre pas dans une boîte, hein. Elle est quand même grosse cette fleur-là. Donc, j'ai utilisé la nouvelle perforatrice qui va avec le très très beau jeu. Attendez un petit peu. Ici, petite pétase, si vous l'achetez en lot, les deux ensemble, vous sauvez 15%, donc ça vaut vraiment la peine. Et ça, c'est un must. C'est souvent le petit quelque chose qui nous manque sur un projet. Comme ici, là, j'aurais pu mettre un bouton, un papillon, mais je trouvais que ça faisait un beau rappel avec le motif de fleur. Donc, ça, c'est, on étampe ou on n'étampe pas, et on forme notre fleur. Regardez, si j'étampe pas, ça aurait pu être aussi joli, mais je voulais les petits détails de la fleur. Et le cristal du rein, pardon, c'est pour aller répéter ici mon papier à paillettes argent. Donc, on y va tout de suite. On va sortir l'Insta Enveloppe. C'est vraiment, vous le voyez, c'est un outil qui peut tellement servir à autre chose que juste faire des enveloppes. Vous avez votre plioir ici qui est intégré dedans, donc vous ne risquez pas de le perdre. Et puis, vous avez des instructions rapides ici, au cas où vous oubliez, mais je vous dis, un coup vous en avez fait une ou deux, vous n'avez plus vraiment besoin. Toutes les grandeurs, je crois qu'il y a 66 grandeurs de cartes, si je ne me trompe pas, d'enveloppes, pardon. Donc, vous avez la grandeur de votre carte que vous allez faire pour que l'enveloppe puisse la contenir, la dimension du papier à couper et où faire le pli, tout simplement. Ici, vous avez une perforatrice
Et ici aussi, une deuxième perforatrice. Je vous montre ça à l'instant. Donc, si par exemple, je vais faire une carte 3x3, une enveloppe, pardon, pour une carte 3x3, donc je me rends à carte 3x3, ça me dit, ça me prend un papier de 5 1/4 par 5 1/4 et faire mon pli à 2 5/8. Donc, faites-vous-en pas, les huitièmes de pouce sont vraiment indiqués. Donc, je me place à 2 5/8. Ici, je viens faire mon pli. Moi, je pars toujours d'en haut, je m'appuie vraiment ici. C'est fait pour ça, ça va super bien. Mais vous pourriez aussi dire, je couche un petit peu plus mon plioir et je pars par en bas. Mais personnellement, j'aime bien m'appuyer. J'y vais, je perfore. Je tourne un quart de tour. Là, je ne m'occupe plus de la mesure ici. Je vais me placer vis-à-vis mon pli. C'est sûr que quand on fait... quand on fait une enveloppe carrée comme ça, on va tout le temps se ramasser à notre même mesure du départ. Mais c'est pas important de s'en soucier après qu'on ait fait le premier tour. Là, on vient simplement mettre notre pli vis-à-vis le petit bout ici en plastique. Alors, ça me fait des beaux coins parfaits. Je l'ai déjà montré, mais je vous le remonte parce que c'est facile. Ici, on vient faire la finition. Voyez-vous, ça arrondit mon coin d'une façon professionnelle. OK, alors j'ai tout de suite mon enveloppe que je pourrais monter. OK, elle est déjà prête. Ce que je veux vous montrer, c'est à faire la doublure avec ça. Alors, j'ai ici un petit morceau que je veux juste vérifier si j'ai pris. OK, alors, si on veut avoir la doublure avec ça, j'étais à 3x3, OK? Vous voyez 3x3 ici. Je vais aller un petit peu plus petit. Donc, ça me dit de prendre un papier de 5 1/2 par 5 1/2, faire un pli à 2 3/8. Donc, 2 3/8, ça va me donner deux doublures d'enveloppe d'un coup. Et ça ici, là, je ne sais pas sorti de ma tête... Il y en a tellement sur Internet, on ne sait plus c'est qui la conceptrice originale. Là. Alors, voyez-vous, ça me donne ça ici. Si je viens après, tout simplement, couper les deux rabats, ça va me faire. Là, vous allez dire, ça fait des restants, mais on peut parfaitement perforer nos fleurs dans nos restants ici, les petites fleurs pour aller décorer, ou en faire d'autres pour décorer notre enveloppe. Et là, on vient couper ça en deux. Et ce que ça nous donne, on peut aller faire notre petite finition également pour que ça soit parfait avec notre enveloppe. Et ça nous donne ceci ici qu'on vient tout simplement coller et on monte notre enveloppe. C'est-tu pas génial ça? Si vous dites, ben moi j'ai déjà acheté ou je préfère prendre, faire quelque chose de plus rapide, on prend les enveloppes 3x3 de Stampin' Up. Et là, à ce moment-là, il en rentrerait peut-être 6 cartes dans votre boîte parce qu'elles sont plus minces, c'est certain, que des enveloppes qui sont faites en papier cartonné. Donc, vous pourriez dire, je prends les framelits ici, doublure d'enveloppe. J'en ai un pour les cartes 3x3. Donc, vous passez ça dans votre machine et vous venez ensuite tout simplement ajouter dans une enveloppe Stampin' Up. Vous avez votre enveloppe assortie. OK? C'est un autre choix. On va passer maintenant à la confection de la boîte. Et il ne faut pas penser que c'est très compliqué. Ce qu'on fait, on prend les mesures ici de la boîte de la carte 4x4. Donc, on prend ça ici et ça nous dit que le pli, ça nous prend un carton de 6 7/8 par 6 7/8, ce que j'ai ici, et le pli est à 3 1/2. Donc, pour ne pas se mélanger, parce que j'ai vu quelques variantes de ça, moi, je trouve ça plus simple d'aller faire comme si je faisais mon enveloppe. Alors, je me mets ici. Je me sers de ma mesure simplement au début. Pli, poinçon, pli, poinçon, pli, poinçon. C'est pas compliqué, hein? Voyez-vous, j'aurais déjà une enveloppe pour une carte 4x4 en quelques secondes. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va aller faire une deuxième rangée de plis.
Alors, je retourne avec ma mesure 3 par 3 parce que c'est la grandeur que je veux pour mes cartes à l'intérieur. Donc, 3 par 3, ça me donne le pli à 2,58. Je me place ici à 2,58. Je viens faire pli. Et là, je vais tout le temps me placer à 2,58. Je me sens des chiffres en haut. OK? Contrairement quand on fait une enveloppe, qu'on n'en a pas besoin à part la première, pour le premier pli qu'on fait. Donc, 2,58. Voyez-vous ce que ça me donne? Ça me donne ça ici. Donc, je vais aller arrondir deux coins pour ma finition. J'aime bien faire les deux coins. Il y en a beaucoup qui ne font pas les deux, qui font seulement celui du haut. Là, ce qu'on va faire, tout simplement, on va aller enlever nos quatre coins. Et ça se fait très rapidement. Hein? Faut pas penser que c'est long. Je vous propose toujours des projets courts. Si vous voulez des projets plus élaborés, plus longs, avec des techniques, c'est mes cours en ligne qu'il vous faut. Parce que là, c'est pas rare que je fais des vidéos beaucoup plus longues. Alors, on a ça ici. Je sais que c'est mon haut parce que j'ai ma finition ici et là. Donc, on peut se servir de notre plioir qui va avec l'instant enveloppe pour aller faire des beaux plis. Ça va tellement mieux qu'avec nos doigts, nos ongles. Et vous dites, on n'aurait pas besoin de faire ça avec un plioir, exactement. Sauf que ce que j'ai remarqué, c'est que quand je fais juste les plier comme ça, puis je passe pas, mon montage se fait un petit peu moins bien, je trouve, parce que ma boîte, elle a moins de forme. Voyez-vous, là, elle a déjà sa forme en quelque part. Donc, je pourrais, voyez-vous, je pourrais ne pas avoir arrondi. Là, je vais vous montrer. Je suis venue arrondir. Dans le fond, peut-être que ça aurait été mieux que je fasse juste le haut. Je ne me souviens pas comment j'avais fait. Ah, il n'y a aucune différence dans le fond. OK? Donc, on a déjà notre structure ici. Moi, ce que je vais faire, je vous recommande de la bande adhésive. Mais vous pourriez aussi faire comme je fais, là, la colle liquide. On s'assure seulement que nos coins, nos côtés sont bien droits avant de coller ensemble parce que ça va rapetisser la grandeur de notre boîte. Sinon, on tient comme il faut et on vient en rajouter ici pour fermer le tout avec beauté. Idéalement, on s'arrange pour que ça arrive très très bien ici. Une belle finition. On presse dedans. Et ça nous donne ceci. OK. Donc, il me reste à décorer. Ce que je vais faire, je garde ça pour en arrière et je viens décorer le devant. Oui, je pourrais, si je veux, venir le décorer avant de monter ma boîte. Il y en a qui préfèrent ça. Moi, ça ne me dérange pas vraiment. Donc, ici, j'ai mis de la bande adhésive déjà en arrière. Parce que ça se colle mieux. Le papier à paillettes, il y a un revêtement qui est comme plastifié, qui colle pas très bien avec de la petite colle, surtout pas de la colle en bâton, à moins de tenir très longtemps et peser très fort. Et le dessus aussi, ça se colle mieux avec de la bande adhésive ou des points de colle. Et là, je pense que j'ai oublié de couper ma bataille. Et je me souviens plus. Trop de ma mesure. J'avais pas pris le même papier, mais ça va être... Tiens, on va l'essayer dans ce sens-là, dans cette couleur-là, parce que ma fleur est de cette couleur-là. Donc, ce que je fais, je viens appliquer de la bande adhésive. Et là, je vais le faire en dehors de la zone d'écran. OK. Alors, je m'en viens poser ça ici. Et j'appuie fort. J'ai déjà ici utilisé mon jeu détente, j'en reviens pas, que je vous ai présenté tantôt. Et j'ai fait une bannière. Et je me suis assurée de dépasser un petit peu pour que ça brise un petit peu la monotonie, de toujours venir mettre un vœu, par exemple, au milieu. Alors, moi, je voulais que ça soit comme ça. Et je vais venir coller en dimension. Vous vous en doutez.
j'ai étampé. Dans le fond, j'ai utilisé 4 marqueurs pour ces cartes-là pour aller répéter les mêmes couleurs. Ça aurait pu être tout d'une même couleur, mais c'est beau aussi comme ça. Donc, les en couleur de cette année et ardoise bourgeoise que j'étais supposée avoir pris. Et finalement, je me rends compte que c'est gris souris, mais c'est pas vraiment grave. Et là, en vous parlant, je viens de me rendre compte que j'ai oublié une chose. C'est de passer mon ruban avant de coller ma pièce qui est collée avec ma bande adhésive ici. Alors, ce que je vais faire, c'est pas vraiment plus grave que ça. J'aurai le choix pour les rubans, ce qui va avec. Ça ici, c'est pas cocktail cantaloupe, c'est tango mandarine, mais je me rends compte que ça va très bien ensemble. C'est pas quelque chose qui dérange. J'aurais pu aussi y aller avec ardoise bourgeoise ou avec le vrai cocktail cantaloupe. Je pense que ça va être moins punché peut-être, mais je vais essayer avec ça. Donc ici, mon ruban va être apparent, contrairement à mon modèle de départ. Alors, au début, en passant mon ruban en dessous de mon papier à paillettes, comme j'ai fait pour mon échantillon, c'est vraiment le papier à paillettes bien collé par-dessus le ruban qui vient maintenir en place. Donc ici, c'est sûr que quand on va ouvrir la boîte, ça va faire bouger mon papier, mon ruban, pardon. Donc, ce que je ferai, je vais le détacher quand je vais avoir fini et je vais venir placer un point de colle ici pour être sûr que. Puis je pourrais. J'en mettrai pas de l'autre côté parce qu'on veut que ça ouvre. Je vais venir au moins mettre un point de colle ici. Alors, voyez-vous, il me manque que la décoration. Pour ce faire, j'ai sorti ici. Le rameau d'olivier que j'ai brisé dans le fond en voulant le décoller trop vite. Ça m'arrive souvent ça d'aller trop vite. Je le colle pas au complet, j'aime ça avoir des petites feuilles qui bougent, qui sont en dimension. Bon, alors, l'étape suivante, c'est pour ma rose. Et là, vous pourriez la faire en papier design, en papier cartonné. Vous pourriez utiliser qu'une seule découpe ici pour avoir une rose moins grosse. Et vous pourriez ne pas ancrer. Moi, ce que je vais faire là, je l'ancre parce que je trouve que ça fait une rose qui a plus de profondeur. Alors voilà, c'est fait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va doucement, vous pourriez prendre votre plioir en os si vous désirez. On va aller comme assouplir et non briser les petites fibres dans le papier. Parce qu'après ça, on va rouler. Et si vous ne le faites pas d'avance, ça va faire une rose qui va avoir beaucoup, beaucoup de coins carrés, je vous le dis. On y va très doucement parce que c'est un papier design. Hein? Moi, je l'ai déchiré tantôt. Voyez-vous, elle prend déjà sa forme. Et si vous la déchirez, c'est pas grave. Raccordez vos deux bouts ensemble, puis recollez-les ensemble. Puis en roulant, ça paraîtra plus du tout. Vous pourriez même en mettre trois. Et cette découpe-là, ce poinçon-là, pardon, c'est un poinçon Biggs. Celui-là ici. Donc, poinçon Biggs, ça nous dit qu'on peut passer ça avec. Il y a 50 matériaux approuvés, là. Vous pourriez prendre la feutrine. J'en ai vu qui en ont mis 2-3 fleurs pour faire des belles grosses fleurs en feutrine, pour faire des broches, décorer des chapeaux, des foulards, tout ça. Et vous pourriez prendre plein d'autres matériaux. Donc, la prochaine étape ici, c'est de rouler. Vous pouvez tout simplement rouler comme ça. Et là, si ça fait un peu carré au début, on vient arrondir à un moment donné, là. Vous pourriez le faire juste en roulant comme ça ou en prenant des pinces. Mais en fait, là, c'est tellement simple.
Regardez, on roule entre nos doigts. Je roule, je roule, je roule. Et là, j'arrive à la fin. Ce que j'aime bien faire à la fin, c'est que je prends tout ça entre mes doigts, je presse pour vraiment donner la forme et je relâche. Donc, ça va lui laisser de la vie un peu. Regardez là, ici, je l'avais fait très serré parce que j'en ai mis deux. Et je ne l'ai pas laissé respirer beaucoup. Ça fonctionnerait juste avec une. Mais je veux vous montrer comment c'est simple. Je viens simplement fixer ici et je vais aller ajouter je pourrais déjà dans le fond les avoir collés bout à bout au début là, mais vous pourriez la rouler une fois toute seule avant de la mettre après son l'autre qui est déjà collé. Il y a tellement de façons de faire là. Ok, voyez-vous, j'arrive déjà à la fin et ce que j'aime bien, c'est aller coller en dessous, même si c'est un petit peu plus gros, je viens coller en dessous de ma rose. Mais là, je ne l'ai pas laissé respirer. Vous savez comment j'aime ça, qu'elle prenne un petit peu sa forme. Je pourrais dire, ben, je vais le décoller un peu, là, je vais la travailler comme je l'aime et je represse pour coller. Et je tiens fermement. C'est sûr que là, elle n'aura pas le temps de coller pendant que je suis devant la caméra. Il faut tenir quelques secondes quand même. Et je viens fixer à ma belle boîte. Alors, je vous ai montré plusieurs choses aujourd'hui. Je vous ai rafraîchi la mémoire pour comment faire des enveloppes. Je vous ai montré comment faire une doublure avec l'Instant Enveloppe également. Comment faire la boîte, la décorer. Comment faire la rose. Et puis réaliser plusieurs jolies cartes. Ça met tout en vedette des produits célébration que vous pouvez vous procurer jusqu'au 31 mars 2014 seulement. Donc, dépêchez-vous de commander. Allez juste en haut à l'onglet boutique, vous pouvez placer une commande et obtenir un cours en ligne gratuit avec moi. Et je vous dis, ça vaut la peine. Un cours gratuit par 65 $ d'achat avant taxes et transport. Limite de 2 cours par commande. Je vous le dis, allez voir ça, mon offre, elle est exceptionnelle. Bonne journée tout le monde!